est arrivé mercredi matin, on a une petite réunion de discuter en gros les possibles difficultés. Le sentiment, le tel, mais chaque fois qu'on touche, c'est les choses sont parfaites. Moi, on travaille dans de bonnes conditions. On désinfecte aussi les écrans tactiles qu'on utilise avec du virucide. Chaque fois qu'on touche l'écran, on désinfecte car derrière, souvent les mécanos viennent aussi toucher les écrans. Et quand eux repartent également, on désinfecte aussi encore les écrans. Non, c'est pas mon travail, mais j'ai eu travaillé en finition, donc c'est déjà pour ça qu'ils ont fait appel à moi. Et puis bon, j'ai été volontaire tout de suite. Je tenais à remercier toutes les personnes mobilisées, techniques, production, qui ont assuré un super redémarrage. En particulier, je remercie mes équipes, toutes les équipes de maintenance. Je pense qu'on a fait le maximum pour que ce soit dans une bonne condition pour pouvoir travailler. Je pense que tout a été fait pour que ça se passe bien. Rassuré. Je suis heureux de bien travailler en sécurité. On est assez éloignés les uns des autres et que la vie commence à reprendre. Bon plaisir de retrouver mes collègues. C'est super agréable de retrouver ce travail. Ça fait tout bizarre, on a l'impression de revenir, ça fait j'ai qu'un an d'ancienneté dans la société, donc ça fait bizarre de revenir, j'ai l'impression d'être le premier jour. Et de revenir dans la société avec tout ce qui a été mis en place, ça nous rassure. Du bien de retrouver le travail, et puis on a repris le travail en confiance vu les mesures sanitaires qui ont été prises dans l'entreprise. On n'a pas de sentiment d'insécurité. Bah pour moi, c'est très bien. Les mesures barrières ont été mises en place. Donc on se sent vraiment en sécurité pour travailler tout à fait. Et bien, très positif, ça permet de se recréer une dynamique professionnelle, de revoir ses collègues et puis de retourner dans une ambiance de travail agréable. Bah, je suis contente de revenir. Il était temps parce que je pense qu'il faut continuer à travailler. Et nous sommes tous ensemble.